Mbote Ndeko Félix Tshilombo, Mbote Nayo, c'est à toi que je voudrais particulièrement m'adresser. Ndeko Félix, Koba Seko Koba, na Mbongwana ya Constitution. Nous te soutenons pour ça. Quoi qu'il arrive, ceux qui ont parvenir à faire changer la Constitution, wana, et que ça a héritage pour Nayo, ça sera un bon héritage pour les générations à venir. Nous allons soutenir Salamakasi Tina Souka. Et puis, Longola Pembeni Nayo, faux conseillers, wana, des faux juristes, des faux, soi-disant professeurs d'université, comme Mbata, qui avait l'habitude de brandir la Constitution en disant que c'est la meilleure des constitutions depuis que le Congo est Congo. Tu dois les écarter de ton entourage parce qu'ils te dévient. Continuer, mais ça la tourner dans la province Nyoso, ndenge mobutu wazalaye ko sala. Ko négliger à ta province mon côté. Tambola dans la province Nyoso pour sensibiliser les gens. Donc quoi qu'il arrive, il faut constitution na to bongo la yango, des fonds en comble pour les générations à venir. Ça je soutiens personnellement. L'essentiel est que ma partie à ma bien la constitution na tout ça, la chirurgie Kolongolango, ou bien reprendre une constitution qui garantit l'avenir de toutes les générations à venir. Donc, Koyoka France était, Koyoka Amérique était, Koyoka Belgique était, soit déterminé pour aller jusqu'au bout et que cela se fasse si vite que possible. N'hésitez pas et n'ayez peur de rien. Nous te soutenons pour ça, pour Nakosuk, Sabarwande, Baougande, Nababurundi et tout le monde qui envie le Congo. C'est cette fois-ci ou jamais. Kotolere Moïse Katumbite, Soriano Dagnano, Kotolere Ete. Atika en exil, pe akufakuna. Même Babie na Moussousou, confisquer ça, parce que c'est au prix du sang des Congolais. Mais il ne faut pas se réconcilier avec les M23, jamais avec Kagame, continuer à donner des armes na Wazalendo, na Bafardese, Futabango pe Mbongo, pour les encourager, et jusqu'à ce que nous marchions sur Kigali, et jusqu'à ce que nous chassions le moustique du président rwandais, M. Paul Kagame, avec ses petits pieds comme ça, comme des bâtons d'un tambour, tous les Rwandais qui sont au Congo, qui nous ont fait du mal. Azarias Rubero, Maître Nyamugabo, Bizima Karamouetu, Diogresses Mbugera, Naba Moussousou Oba Yebani, doivent être arrêtés, jugés et exécutés en public. Cessez d'être naïf. Tala n'engue ma coup d'état, zali komanke, pembe naïo à tout moment. Bakoti kate, sokio olali, et continue à être un catholique, bakoli ayo. Bana Kongo, bana mboka, mbote na bino, mbula muke muke lingesi la, tenge tokuma na décembre, et bientôt on va parler un autre langage pour l'année prochaine. Ce qui vit et même bisouti kuna mbote ndeko Félix Tshilombo, mbote nayo, c'est à toi que je voudrais particulièrement m'adresser. Ndeko Félix, koba seko koba na mbongwana ya constitution. Nous te soutenons pour ça, quoi qu'il arrive. Malgré les dissensions d'opinion, quand na yo na biso, ceux qui ont parvenir à faire changer la constitution wana, et que c'est l'héritage pour na yo, malgré makambo mingi tuzo kwa kize na yo ke o sali, ça sera un bon héritage pour les générations à venir. Donc, ngai nazali ko soutenir yo, sala makasi ti na suka, parce que wana ndenge na loba mbala mingi. Constitution te. Et puis, Longola Pembeni Nayo, faux conseillers, wana, des faux juristes, des faux, soi-disant professeurs d'université, comme Mbata, qui avait l'habitude de brandir
constitution en leur disant que c'est la meilleure des constitutions depuis que le Congo est Congo. Ce genre d'intellectuels, tu dois les écarter de ton entourage parce qu'ils te dévient. Donc, dans Naïka Koulbake, continuer, on peut sala tourner dans la province de Nyoso, ndenge Mobutu Wazalaye Kosala. Qu'on néglige à ta province, mon côté, ou ta qui na province ya orientale, pour yo qui au Kumi na Katanga, bon, tu vas au fond d'ailleurs que na Katanga pour aussi comme bon Wazali, mais si tu dois voler l'argent à partir de Katanga, tu peux le faire même à partir de ton bureau. Donc, ceux qui t'acquisent que Zouk et Nukuna pour Nambongo, c'est un peu d'exagérer. Mais en bref, Tambola, dans la province de Nyoso, pour sensibiliser les gens. Parce que, pour le moment, le pouvoir aidant, tu es la bouche officielle du Congo. Et puis, Malbao et Kobima Namonokonayo, ils allaient plus puissants et plus intéressants que Bilo Kobiso, Botatouza, Pambir et Tolobaka. Parce que, Bazo Monayo, comme étant Mokonzi Amboka, et ce que tu dis, c'est une leçon parmi programme Oyo Congo Zanango. Donc, quoi qu'il arrive, il faut constitution na tobongo la yango, des fonds en comble pour les générations à venir. Ça, je soutiens personnellement. Un peu beaucoup au Bangui Sayote, tout ce qu'ils veulent, ils sont en train de dire que nous allons changer yango pour continuer le mandat. Tant pis. L'essentiel est que ma partie a bien la constitution na. Tout cela est une chirurgie Kulungulango ou bien reprendre une constitution qui garantit l'avenir de toutes les générations à venir. Bambo comme sous ce zaka na constitution bango ba garder ango banda kala. Pourquoi pas non? Donc koyoka France était, koyoka Amérique était, koyoka Belgique était, koyoka ba conseiller occulte était qui sont des agents locaux des impérialistes et de ceux-là qui nous massacrent. Soit déterminé pour aller jusqu'au bout et que cela se fasse si vite que possible. N'hésitez pas et n'ayez peur de rien. Nous te soutenons pour ça, pour Nakosuki, Saba Rwandais, Ba Ougandais, Naba Burundais et tout le monde qui envie le Congo. C'est cette fois-ci ou jamais. En deuxième lien, Tozoko Yoka, que petit à petit, Bobandi, qu'on confisque, ba bien mal acquis. J'espère qu'il n'y aura pas de retour. Ndengenani Kabila Salaka, il a crié à l'époque, je parle de Laurent Désiré Kabila, parce qu'il n'y a qu'un seul Kabila que nous connaissons. Sans doute avec ses vrais enfants, pas des foutards et des imposteurs comme Hippolyte Kadjamé Kanembe. Bon, il avait créé une commission des biens mal acquis et puis finalement, ça a accouché d'une souris. Alors, il faut que ça se fasse d'une manière méthodique, professionnel, pour mettre fin à ça. À peu près 86-90% de l'économie, du contrôle de l'économie du pays est entre les mains d'un seul individu. De Kanembe et ses acolytes, tout ce monde qui était dans la carte à PPRD, dans l'Union sacrée. Il faut confisquer tous ces biens. Faites ce qu'on appelle en droit asset research, donc recherche des avoirs, et puis saisie des avoirs. Et surtout les punir ceux-là qui ont mener des activités économiques illégales et qui ne payaient pas de taxes parce que Bazala qui va président Bandeko il y a bas frère il y a bas camarade il y a etc. L'État doit frapper tous ces gens là-bas et confisquer tous ces biens d'un côté en gros la trésor public. Toyoki que soit des apports et pour être Kadjambere Kanembe na yale que na yena moi si na yebo confisquer continuer même ma soie na yé qu'on appelle Amani. Puis nous avons dit qu'à na mboka wana, comme nous avons l'habitude de le dire, à côté de la mokote, à côté de la babouti, à jardinier. Donc il n'avait rien. Tout ce qu'il a eu, c'est au prix du sang des Congolais qu'il a massacré, lui et ses complices. Alors, le sang des Congolais crie dans la nature. Nous devons venger ce sang en confisquant Babie Oyubango Bayiba ya Congo. Et ne tombe pas dans la bêtise de la zaïrénisation de Mobutu à l'époque. La Zambie avait aussi imité ça. Et un peu Idi Amin, bien que Idi Amin a raison, même l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, il avait fait la même chose, mais malheureusement c'était catastrophique pour lui.
jusqu'à présent qui a fait que le Zimbabwe soit paupérisé et que sa population immigre dans des pays avoisinants, entre autres l'Afrique du Sud, surtout le Botswana, le Lesotho, et un peu dans Mozambique, mais surtout la population du Zimbabwe et qu'il n'y a qu'un pays ici quand l'activité économique des monnaies est telle que l'Afrique du Sud et le Botswana, et où la monnaie a de la valeur. Alors, les impérialistes ont frappé Zimbabwe, et jusqu'aujourd'hui, Zimbabwe est un boilé. Je disais donc, évite de tomber dans l'erreur, Mobutu Sala, il y a des organisations, il y a des bateaux, il y a des bateaux. Après 24 heures, il y a des bengani bango, azui biloko na bango ati yango na kati ya maboko oyo mobutu abenga ba acquéreur et les acquéreurs. L'histoire est bien connue par les gens de génération na biso. Ça produit ce qu'on appelle premier, deuxième, troisième jusqu'à dixième bureau, parce que les gestionnaires bayebakite qu'est-ce qu'il faut faire avec les biens qu'ils avaient acquis par la dictature de Mobutu, au lieu de bien gérer ces biens là-bas et comment qui a passé na bango ba na bango, etc. Et après, comme on dit, que le gouvernement, le régime tombe, mais l'État continue. Vous vous rappelez, le Congo a continué à payer la dette à la famille Wana, Mbongo Oyo, Matata Mponyo, Ayibaka parmi la Mbongo et Ayibaki. Donc, évitez de tomber la carte à Bere Rwanda. Confisquez les biens Oyo, les Rwandais, les Zanango, parce que les Yiba n'est pas un abisso. Les Ougandais, même tout ce qu'ils ont construit chez nous, bas immeuble, bas supermarché. On venait d'inaugurer, par exemple, un petit supermarché qu'on appelle Mall au Congo. Et qui gère ça, ce sont les Libanais. Mais les habitants de Kabila, les soi-disant Kabila, Hippolyte Kadjambe Kanembe, tous ces histoires-là, bas confisqués, bas Congolais, bas gérés en go, chasser tous ces Indiens illégaux, au bas tout dans la Tanzanie, un peu na Kenya, na Afrique du Sud, un peu na Kati. Il y a Malawi. Les Indiens, ils ont une population mabé, population communauté moko haineuse. Ils ont différents de la Rwandaise, pas indiens. Ils sont racistes, ils sont concurrents, et leur solidarité n'est pas différente de la arabe. Parce qu'une partie à Inde, ils ont pratiqué pendant l'islam, à part l'hindouisme et le bouddhisme. Mais la religion de la Bangwana font qu'ils méprisent la race noire. Pourtant, on n'est pas rentré dans l'histoire, ce chapitre-là. L'Inde, c'était un pays de noirs. Puis jusqu'à présent, comme on a des noirs, quand il y a des Indiens, il y a des Indiens noirs qui sont négligés là en Inde, d'ailleurs, par ceux-là, au teint à la peau pâle, donc les Aryens qui sont allés là-bas. Bref, tout ce que les Libanais, les Indiens, Bazali Kujirena Congo, c'est Hippolyte Kadjambe Kanembe qui est derrière ça. Il faut alors confisquer bah, bien à Bango. Tout. En troisième position, qu'on tolérait Moïse Katumbité, Soriano Dagnano, qu'on tolérait été. Atika en exil, Akoufakuna. Même bah, bien à Moussousou, confisquer ça, parce que c'est au prix du sang des Congolais. Mais il ne faut pas se réconcilier avec les M23, jamais avec Kagame, continuer à donner des armes na wazalendo na ba FARDC futa bango pe mbongo pour les encourager et jusqu'à ce que nous marchions sur Kigali et jusqu'à ce que nous chassions le moustique du président rwandais monsieur Paul Kagame avec ses petits pieds comme ça comme des bâtons d'un tambour dit pas ignos la mukili bazoko comme ça y est le leadership ya Kagame. Quel leadership? Un président voleur entouré par des voleurs, soutenu par des voleurs, et pour chuter tous les Rwandais qui sont au Congo, qui nous ont fait du mal. Azarias Rubero, Maître Nyamugabo, Bizima Karamuetu, Diogresses Mbugera, Naba Moussousou Oba Yebani, doivent être arrêtés, jugés et exécutés en public. Cessez d'être naïfs. Talanenge Bakou d'État, Zali Komanke, Pemben Nayo à tout moment. Bakoti Kate, et soit qu'il y a Olali et continue à être un catholique, on les arrête et on doit les exécuter. C'est ce qu'il faut. Bon dimanche à tous. Ceci, c'est pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu,
de Pierre Mulele, de Kimpa Vita, de Simon Kimbangu, de tous les Congolais qui se battent et de tous les martyrs congolais pour que la nation congolaise soit. Bon dimanche. Société, ba société belle, boyoka l'insate. Tout comme on a bafoué, n'a bafoué n'est mon go. Papa na maman, dialogue et sate. Et comme à lobby, moi na bimi face, à Kimindaku, moi na komina balabala, moi na bonla na wenze. Pour nini, dialogue et sate na bafoué. Oboni, le lo mindele, ba sanganaki, ba sali héro. Bon, komi makasi, pour na dialogue. Dialogue de sali, dollar, le lo et salamakasi. Dialogue des salis, les deux livres sterling et Zalamakas. Il y a un moment où le dialogue est nécessaire, la vie n'a pas de vie. Dans tout ça, dialogue est unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Tous abonnés, vous soignez sur la Congo dialogue.